Pacific Beach, tout ça pour construire des prisons, quoi. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. On va se refaire une prison, quoi. Sous cette version finalisée. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y avait un DLC, une version multiplayer. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs, cette version. Si je peux joindre un online game. Moi, je peux jouer avec des gens. Mais moi, quand je joue à Prison Architect, c'est pour jouer tout seul. Ah, c'est pas parti, en privé, ok, ouais. Ouais, ok, ouais. Ok, on peut créer une prison juste avec ses potes. C'est bien, c'est bien. Moi, pour en fait, je vais charger la prison, vous savez, l'argent. Voilà, parce que je vais vous donner une technique ancestrale pour vous dire comment faire de l'argent, certes, apparemment, facilement, mais quelque part, je vous ai floué. Puisque la seule et vraie manière de faire du pognon facilement dans ce jeu, c'est de faire ça. Voilà. J'ai fait une méga cellule de lit. Hein. J'ai même arrêté de les faire tellement ça m'a saoulé. J'ai fait un méga dortoir. Et puisque dans ce jeu stupide, finalement, nous sommes payés. Estimation de la prison, s'il vous plaît. Nous sommes payés en capacité d'admission. Voilà. Finalement, on aime ça. Donc voilà, moi j'avais monté un peu cette prison pour faire du fric très facilement, tester des modèles, etc. Voir que malheureusement il existe encore des bugs. Par exemple, cette pièce là ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à accéder à des cours. Enfin bref, c'est une prison avec un niveau de sécurité que je trouve acceptable. Un modèle qui va donc nous intéresser pour la suite. Mais aujourd'hui. Oh, mais non, merde, c'est aujourd'hui encore là. Mais non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, cool. Tu es en train de croire là. Allez, tue-moi tout ça. Mais tu es les, merde. Ça y est, hein, j'ai enlevé des gardes. Ça y est, hein, ça devient n'importe quoi. Hein. Oh, c'est pas possible ça. Hein. Bon. Nous adorons tous ceux qui sont disponibles. Remplir, s'il te plaît. Ah, je prends tout, hein. Je prends tout, moi. Non, tu ouvres, ouvre tout ce que j'ai le droit de prendre là. Hein. Quoi, ça, tu veux pas. Voilà. Moi, je prends tout. Je prends tout, j'en ai rien à foutre. Allez, on prend tout. Tu vas en remplir jusqu'à 1685 larbins. La prochaine admission, 105 clodo qui arrive dans 15 heures. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'on va attendre deux petites fournées comme ça, vite fait. Une petite fournée sympatoche, dirais-je. Avant de vendre cette prison. Je vais pas attendre les 1006 et quelques. Ça va devenir le chaos, ce sera la guerre. C'est pas intéressant. Mais j'avoue, ça aurait été rigolo d'en recevoir 1685 d'un coup. J'aurais fait vendre la prison. J'aurais fait mon bon économiste. Attendez, j'ai viré tous les larbins. Il n'y a plus que des prisonniers. C'est les prisonniers qui gardent les prisonniers. Voilà. Nouvelle technique, nouvelle stratégie. Moins 50 000 dollars pour un clodo. Oh, j'aime pas beaucoup de ce qui m'arrive. Ça fait chier. Bon, si vous voulez voir la prison, la nouvelle, vous avancez un peu. Dans la vidéo, vous n'hésitez pas. Sinon, force et honneur à vous de rester jusqu'à que ce 50 000 dollars disparaisse. Et la subvention initiale, malheureusement, puisque j'ai une cellule qui ne veut. Enfin, j'ai une pièce qui ne fonctionne pas. Alors, il faut que je vous explique la galère. Bougez pas, je vous explique la galère. Ça, c'est des cellules basse sécurité à la base. Ici, ce sont les moyennes sécurité. Là, ce sont les hautes sécurités. Ça sert à remplir des gens, on s'en fout. Face à mon problème de classe, j'ai décidé de transférer les moyennes sécurités ici et les basses sécurités ici. Le micmac que ça a été au moment de la transaction, de switcher les prisonniers à gauche et à droite, je vous en parle pas. Faudra qu'on voit aussi au moment de la sélection du nouveau directeur. Il y a un directeur que j'ai pris qui est. Voilà, qui est ce monsieur? Qui est le maître chien? Je me rappelais plus de ce monsieur, je sais pas s'il est nouveau, mais je pense pas qu'ils aient rajouté de nouveaux mecs en fait. Je pense pas.
Je sais qu'il y a une version, en tout cas Legacy de ce jeu, c'est la version que j'ai lancée, sinon je pouvais pas la capter. Je pouvais pas l'enregistrer. Intéressant, intéressant. Il y a des choses intéressantes tous les jours. A voir, à revoir ou à prévoir. Une petite patrouille, ma gueule. Hein. Tu t'éclates, hein. Hein, tu te fends la gueule, hein. T'adores ton job, hein. Kiffe ton job. Cette prison à l'arrache, en fait. Bien, c'est qu'au début, quand tu la regardes, tu fais. Ça a pas l'air trop mal comme ça. Y a de l'idée en fait. Non, c'est dégueulasse. Faites pire prison du monde. On va essayer de se faire une petite prison de luxe. J'avais envie de faire une prison de luxe. Je pense qu'on va partir bien sûr sur une petite prison de luxe. C'est ça que c'est bon. Et on va profiter de ce temps mort pour essayer de localiser une petite enveloppe, une petite page, un petit courrier. Je les ai toujours pas tous. C'est intéressant. Toujours rigolo d'essayer de les choper. Du coup c'est marrant, j'aurais pas testé tant de patterns que ça. Il y avait des trucs que je voulais tester sur cette prison. Évidemment je les ai pas portés jusqu'au bout. Comme d'habitude. Ouais, vendons quelques trucs ici, voyons. Bon, tout ça là. Dépêche-toi, moi j'aime l'argent. Ouais, j'aime l'argent. C'est pas bon, on vend. On vend tout ce qu'on a. Parce que de toute façon, on va pas tarder à partir de là. Poète. Qu'est-ce qu'ils vont me vendre là? Vente d'article, d'accord. Cool. On a vendu un peu de bif. 5 000 $. Ça va? Tu vis heureux? Est-ce que ta vie elle est bien? Il dormait 24 heures, il était bien ici. Il kiffait sa vie ici. Toi, t'as pris combien? 56 heures de verrouillage, encore une heure d'isolement. Reste un peu. Vas-y, mais reste avec nous, sois cool. C'est dommage, on les entoure par contre. Alors, ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute terrible de la part du développeur. On n'entend plus les prisonniers hurler quand tu leur rajoutes 24 heures d'isolement, tu vois. Tu sens que le mec est au bout de sa vie. Ça, c'était génial. C'est bien, faites souffrir votre prochain. Puisque votre prochain, sinon, vous fera souffrir dès qu'il en aura l'occasion. Et ceux qu'il vous aime ou qu'il vous déteste. Est-ce que je suis sérieux? Disons que je pourrais l'être. Mais j'ai pas vu d'enveloppe. Alors j'ai peut-être pas trop poussé là-bas. De virer un médecin, ça coûte trop cher les médecins. Personnel 40 000 $. Ah, est-ce que ça augmente si. Ouais, non, on s'en fout de toute façon. Ça m'intéresse pas parce que ça... entretenir après, c'est pas intéressant. Grosse capacité d'admission. Grosse capacité d'admission d'ailleurs, qui, s'il vous plaît, puis-je. Puis-je vous prie augmenter cette capacité d'admission de manière inadmissible et parfaitement intolérable. Allez, bonne journée les larbins, amusez-vous bien. Allez, ce petit chiffre là, il va grimper un peu. Parce qu'on aime l'argent ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est des lits. Allez les mecs, hein, faut poser des plumards. Hein. Go go go. Hein. Ah ouais, non, faut arrêter de chômer, hein. Faut s'y mettre, hein. Allez, go plumard, hein. Pourquoi tu vas te barrer comme ça? Ah, tu vas attendre qu'on t'apporte des trucs. Ah ouais, je préfère, ouais. Ouais, bouge ton boule, ouais. Les gars, ils bossent, hein. Ils posent du plumard, hein. Ils font grimper ce chiffre. C'est ça qu'on veut.
Ah ouais, alors ça par contre ça va être chiant. Faut que je prenne impérativement. Voilà. Comme si toutes les portes sont toujours ouvertes, c'est bien. D'ailleurs, je m'embête pour rien, en fait. Attends. On va rendre le gardien fou. Voilà. Il est parfait. Hop, il restera là jusqu'à la fin de sa vie. C'est le gardien de votre vie qui arrive. Il arrive. Il va maintenir de la porte ouverte. Hein. 685. Mais capacité d'admission n'a toujours pas augmenté. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Comment ça ne suis-je pas capable d'admettre plus? Quel est donc ce mauvais sort? Ah, c'est peut-être parce que j'ai supprimé la cuisine et la cantine. Attendez. Attendez, ouais, il y a peut-être cette histoire là aussi qui fait que du coup le bâtiment n'est plus valide. Plus ça, si tu veux, distribution de nourriture. Ouais, bon, en même temps, il y a personne dedans. Normalement, c'est pas censé gêner. 19-19, à l'équilibre. La cantine parfaite. La cantine de la perfection, si vous voulez mon avis. On devrait pas tarder à nous ramener un petit paquet de Goliot là. Je vais refaire les pièces au cas où c'est ça qui bloquerait l'admission. Je suis pas sûr, ça me paraît très étrange que ça. Quoi, cantine du personnel? Pourquoi cantine du personnel? Pourquoi cantine du personnel? On m'explique. Ah, parce que moi après je suis pas au courant, du coup c'est chiant. Alors. Ouais, c'est au point comme truc, hein. C'est toujours très au point. Hein. Distribution de bouffe. De là à de là. Pourquoi cuisine du personnel? De 8 fagots de bois, expliquez-moi. Ah, je sais pourquoi. Ah, je sais pourquoi. Parce que c'est la cuisine du personnel, évidemment. Alors, attendez, je crois que je peux inventer des idées. C'est pas ici, c'est sur le déploiement. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. On met moi ça en moyenne, on va avoir surtout du moyen. Voilà. Très bien. Et là, plus du coup, tout cantine du personnel. Très bien. Je ne sais pas si ma capacité d'admission pour autant va augmenter. Ça sera un peu la surprise. Elle a l'air de vachement plafonner quand même. Hein. Pourtant, ce dortoir est valide, officiellement. C'est quand même le plus beau dortoir du monde. On a envie d'y vivre dans ce dortoir absolument génial. Hey Luigi, hey Luigi, tu passes un petit jeu, t'aimes pas. Tiens, foutez le 24h là. Non, remettez le 24h, on le déteste. On ne l'aime pas du tout. On n'aime pas les mauvaises. Il n'a fait aucune mauvaise action, on va comprendre bien qu'en disant il n'aura jamais le temps. Répression maximale. 200% de son temps en cellule, allez, cadeau. Comme ça tout de suite, tu mets les gens d'accord. Oh mon dieu, mais je pourrais tenter ça. Je pourrais faire ça comme prison. Je pourrais faire que des cellules d'attente. Et envoyer les gens ensuite parquer dans des cellules d'isolement. Que ça. Et je les mettrais en verrouillage éternel. Oh, mais ce serait magnifique. En plus, les mecs ne creusent jamais. Ils ne tentent jamais de s'enfuir. C'est parfait. C'est juste le meilleur deal du monde, ce que je viens de penser là. Je suis un génie. Je suis un génie.
Mon dieu, mais j'ai trouvé une idée de prison incroyable. Incroyable, on va vraiment faire ça. J'ai encore mes moins 50 000, hein. J'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, c'est vilain. C'est pas beau. Oui, y'a pas de courant ici. Y'a du courant ici. T'es votre cinéma, elle est très bien cette prison. Qu'est-ce que vous me faites? Magnifique cette prison. Et je veux plus de monde. Ah, c'est pas parce que en fait j'ai oublié de fermer le tout avec une grille. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. C'est pas important. On s'en fout, j'ai déjà surexploité. On a déjà plus rien à faire, donc c'est pas gênant. On veut juste que ça disparaisse, comme ça on vend tout. On peut pas vendre de part, pourquoi? Ah, parce que je suis un décès récent, donc du coup les gens ils veulent pas acheter des prisons dans lesquelles il y a des cadavres. Non mais... non mais tu peux pas acheter des prisons où il n'y a pas de meurtre dedans. Va dans une prison française pour arrêter tes conneries. Voilà, on est aux États-Unis quoi. On a le droit de décider que les gardes se baladent avec des poussières. Waouh, c'est génial! Waouh, regardez, Luigi a été tout blanc. Ah, il n'arrive pas à choper. Marc Morris! Un brave mec. Jamais tu ne merderas. Tu n'auras jamais le temps de merder quoi que ce soit. Bah, on va vraiment s'assurer que tu sois un type vraiment sanction, isolement permanent. Voilà, moi je pense qu'avec un petit isolement permanent, on s'assure que tu restes sage comme une image à tout jamais. À tout jamais, tu seras toujours quelqu'un d'adorable, de très gentil. Oh les gardes, qui vont être au bout de leur vie. Sans de moyens de sécurité. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. La prochaine prison, on va l'avoir en grand. Je vous préviens, on va l'avoir en grand. Ça va être sport. Il n'y a plus un garde disponible. Quoi. La pure saturation de folie, quoi. Ah ouais, ils le vivent bien, ils le vivent bien. Franchement, regardez-moi ce petit collet serré là au fond. Petite photo de classe. On est magnifique. C'est vraiment très beau. Ils auront toute la journée pour rentrer les gens, ne serait-ce que dans l'enceinte. C'est beau. Moi je dis c'est beau. Alors c'est bon, on l'a perdu notre... Oui, on l'a perdu, c'est vendu. Ah, alors prison de femmes, prison d'hommes, on sait que les femmes c'est chiant. Courrier de guerre, lac aléatoire, bâtiment aléatoire, conditions d'échec, ouais. Les gangs, on n'a pas forcément envie des événements. Ah ouais, non, c'est les incendies, tout ça là. Provoque certains événements en cours de jeu, que vous restiez vigilants. Ajoute un défi additionnel et de l'imprévu. Ah mais le problème c'est que c'est vraiment random dans ce jeu quoi. Besoin du personnel, non, parce que vous êtes chiant. Pareil, les escape plans. There's more escape option for prisoner. They will not attempt to climb over your wall when trying to escape. Ah oui, c'est vrai qu'on va avoir ça aussi. Donc ça, ça fait partie des nouveautés. On va le cocher. Les fonds illimités. Oh, les cheat codes. Oh, les fonds. Moi, je veux l'argent. Rendez-moi l'argent. Et je veux le mettre chiant. Le maître chien. Moi je veux le maître des tutus. Des tutus. Ah, c'est une grande prison, hein. Vas-y. Hein. Fais péter ma gueule. Hein. Attention. On est lancé. J'espère que vous êtes prêts. 15 minutes pour lancer une vidéo. C'est parti. On va se mettre un petit fond musical. Voilà. Normalement. Voilà, ouais, c'est sexy. Je suis d'accord avec vous. Incroyable. Donc c'est grand. Et quand c'est grand, c'est bien. On passe en planification. J'espère qu'on aura construit quelque chose avant la fin.
Moi, ce qui me plairait déjà, c'est définir effectivement comme d'habitude, dirais-je bien, gaming, mur d'enceinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va te mettre là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va te mettre là. Ça, c'est le mur d'enceinte. Ça, c'est le mur d'enceinte. Le bloc central. Le bloc central, je vais le mettre. Sachant qu'il risque d'être extrêmement massif, mais plutôt en fond de cour. Plutôt en fond de cour. 1, 2, 3, 4. 5, 6, et on va te mettre là. On va voir un peu. Tac, tac. Bon. Ah, c'est grand en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va te mettre là. Et je pense qu'on va garder un bon 12 avec ce mur d'enceinte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est qui 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Et on va te mettre là. C'est mieux, comme ça. Donc ça c'est le corps, c'est à partir de là, on va commencer à bosser. Alors, moi ce qui est sûr c'est que déjà je veux un chemin. Je veux un chemin un peu ouf. Un peu généreux, ouais, désolé d'ailleurs. Le chemin de ronde, évidemment. Ouais, beaucoup d'enceintes, hein. Vous êtes prévenus, des enceintes, va y en avoir quelques-unes. Hein. Pour assurer une coopération totale, il vaut mieux mettre des enceintes à tout bout de champ. Ok. En mur. Tac, tac. Ok. Donc là, théoriquement, je suis obligé de laisser un mur complet comme ça. Je vais être obligé de me faire un truc dans ce goulag. Et après, voilà. Oui, oui, attendez, soyons sérieux 5 secondes. Bien sûr, je n'ai pas oublié l'essentiel de ma carrière professionnelle qui consiste à foutre des gens, d'exposer des gens à la vue de tous comme des vulgaires chiens. C'est quand même, ne l'oublions pas, ma passion principale. Par contre, c'est pas joli. C'est pas joli. Faisons un mur vite fait, je vais me tirer un mur vite fait. Donner une idée, voilà. Ah ouais, alors ouais, ça j'aurais dû le prévoir qu'on allait se taper des pubs en même temps que je vous collais de la musique. Je suis un con, hein. Je pense pas à tout. C'est un peu dommage. Ah, puis c'est une pub en plus qu'on peut pas zapper. Ah, si, quand même. Ah, si, quand même. Il y a un peu de respect. Ah, c'était une pub pour Alliance, hein. Vous savez, j'aime bien les placements de produits gratuits, alors je vous en parle. Voilà, c'est vraiment ma passion. Voilà. Ça roule comme machin, ouais, ouais. Cool. Ouais, je voudrais faire donc mon mur des cons. Mon mur des cons. Mais comment je le fais? Parce que après sinon il va pas être joli. Il faut faire un truc qui est joli. Alors, soyons honnêtes en fait, ce mur me gêne en vrai. J'ai besoin de te faire tac toi comme ça. Donc, si je vous mets comme ça, tac, vous avez une place tous les deux là. Ok. Et mon mur continue là. Et là. Ah non, tire-moi ça. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ce mur des cons de qualité, quoi. Si ça, c'est pas un mur des cons de qualité au beurre de carité, je sais pas ce que vous voulez. Qu'on soit bien clair. Ça, c'est beau. Hein. Bon, je vais peut-être vous épargner
cette construction schématique et reprendre l'idée de ce modèle ultérieurement. Ah oui, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on bute. Il y a 3-4 en fait. Ok. 1, 2, 3. Ok, c'est bon, il y a 3 cases, c'est parfait. Non, 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 non. Là, j'avoue. Faudrait au moins que je fasse une ligne pour savoir sur, sur les côtés si je suis bon ou pas. Ouais, faut que je fasse une ligne. Faut que je fasse une ligne là. Faut que je fasse plus une ligne, parce qu'il faut que je sache. Ouais. Ah, je sais pas si mes cotes elles sont bonnes en fait, c'est ça surtout le problème. Faudrait vraiment que je le fasse. Et étant donné que je suis très mauvais en calcul, ouais bah écoutez, on va se taper un petit mur des cons. Bon, on aime bien le mur des cons en vrai. C'est quand même une zone de plaisir. Ce qui me fait penser que j'ai non, c'est normal. Non, j'ai rien dit. C'est parfaitement normal. Oui, j'allais dire j'ai pas gardé la place pour mes tours, mais si si. J'ai gardé la place pour les tours de sniper. Alors on va investir dans le sniper, ça coûte cher le sniper. Hein. Toujours problématique. Hein. Un gros budget. Et on n'aime pas les gros bien sûr, je vous rappelle, hein. Évidemment. Très important. Toujours être un sale con. On fait des prisons, hein. Pas des crèches. Hein. Ok. Ouais, crèche simulator, trop bien. Je tiens une idée de jeu incroyable. Non, je ne suis pas bourré malgré que j'ai une idée de merde. C'est de la merde. Ok. Paf. Est-ce que du coup. Paf ici. Oh, l'air de se tenir. En esthétisme, c'est pas ouf. Mais ça se tient. Ouais, ça se tient. Bon, allez, ça se tient. Hein. On va pas s'embêter. Hein. Ça se tient, ça se tient. Là, il faut penser qu'à un moment donné, il va falloir entrer dans ce bâtiment principal. Dans le cœur de ce bâtiment. Oh! Regardez ce que je vois. Petite page. Petite page lunette de carnet. Ah, pause, 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 calmez-vous. Calmez-vous. Il ne se passe rien pour l'instant. Bien que je peux vous donner toujours un grand mur à faire. Hein, c'est pas le. On peut s'arranger. Hein. Je dirais, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire. Parfait. Bon, ouais, on peut faire ça. Il y a d'autres petites choses qu'on peut régler. On peut dire que. Oh, de la pub, quoi, sérieux. Je vais être obligé d'activer AdBlock. Hein. Ça va me gonfler. Ouais, mais vous êtes en train de me gonfler en fait. Donc, voilà. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout que ce soit plus intense, Neurofess. C'est une pub de Neurofess. Oh. Bon, on verra si ça marche. T'en fous. Vis ta vie, ton tube là. Tu vas pas avoir vu, YouTube est parti pour vivre sa vie. Oh, enlève-moi ça. YouTube avait l'air d'être bien lancé. Bon. Bon, hein. D'accord. Ferme-moi ça, ferme les admissions, ça c'est clair, ça c'est net. On met tous les toits à zéro, on n'en parle plus. Et ah oui, il faut que je rentre déjà mon directeur pour commencer à. Oui. Oui, oui, oui. Oui, monsieur, calmez-vous, monsieur. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de s'y pencher. On aime bien les constructions en briques, hein. On trouve ça esthétique. Hein. Oui, monsieur le directeur. Oh, est-ce qu'on fait ça aussi?
gros style de faire ça. Moi je dis c'est thug. Moi je dis c'est thug. On fait même un chemin de traverse derrière les bâtiments administratifs là, pour pouvoir mettre plus d'hommes de surveillance, toujours plus, hein. Il n'y a absolument aucun abus. Il faut faire du 6 sur 6 pour avoir du 4 sur 4 de mémoire. Enfin, ça doit être ça. Ça me paraît très joli. Ça me paraît très joli. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de... On verra. On verra, mais on sait que c'est très joli en tout cas. Pouf. C'est parti pour les 6 bureaux de l'administration. Ah, très très joli, hein. C'est incroyable comme c'est beau, hein. On n'en revient pas, hein. On était mieux aux larmes. Et ouais, on va faire entrer quelques personnels de compétences. Comme le Dirlo, bien sûr. On va invoquer un directeur. Et on va rien invoquer. Et j'ai invoqué un gardien. Et je suis un gros blaireau. Voilà. Et ça m'a coûté une fortune. Et t'es renvoyé. Au revoir. Voilà, merci. Et le monsieur est instantanément licencié. Très bien. Et ouais, on va désigner. Je crois pas que je puisse. Si, je peux déjà choisir. Yo. Oh, comment je cherche, je vais trouver du premier coup, j'en suis sûr. Et oui, non, je ne peux pas. Ah, bon. Le mec a pas construit des pièces depuis très très longtemps, visiblement. Alors, qui dit bâtiment cœur dit au cœur de ce bâtiment. La maison et Schmitt, Schmitt et moi, Schmitt la saucisse. Et en fait, ce que j'aurais aimé, c'est voilà, c'est produire de la cellule de luxe. Ouais, mais bah c'est petit comme cellule de luxe, c'est quand même pas thug, hein. C'est rikiki comme. Non, mais c'est triste un peu. Moi, je. Voilà, moi ça m'attriste un peu de voir de la cellule aussi rikiki. Parce qu'il faut le dire, hein, là c'est rikikieusement ridicule. C'est rikiki, c'est rococo. C'est pas fou quoi. Donc on va designer nous-mêmes. Donc ça c'est du 5 sur 7. Pas joli ça, 5 sur 7 monsieur. Retournons dans notre planification. Je pense que du 5 sur 7 pourrait devenir... Déjà 5 c'est trop petit. Et, il nous faut du 6 sur 12. 6 sur 12 c'est de la bonne cote. Voilà. Et on va faire que des baraques 6 sur 12. Moi je le sens gros... gros comme un Knarfang quoi. On va faire ça comme ça. Oui, 12 c'est un chiffre que j'aime bien. Et alors qu'est-ce que tu vas faire? Et on va faire du 6 sur 12. Oh oui, on a un peu de place quand même. Hein. On a un peu de place. C'est bien. Hop. 12, s'il vous plaît. Sur 12. C'est même pas si grand que ça en vrai. Hein. On pourrait dire ah, on est dans l'abus, tout ça. Bon, en vrai, ça va. En vrai, on est bien. Voilà. Ça peut ressembler à ça. C'est plutôt pas trop vilain. Hein. Franchement, ça se fait. La question que je suis en train de me demander, c'est si je tapisse pareil. En haut et en bas. Eh, mais attends, ici, j'ai combien là, ici? Ah, c'est du 9. Ah, c'est du 9, plus du 6.
Après, rien ne nous empêche de construire une petite cuisine des familles. Vous voyez qu'on placerait genre ici, face à deux quartiers absolument charmants. Est-ce qu'on conçoit ça comme ça? Moi, c'est ma question. Je me pose des vraies questions. Vous excusez, voilà. Un type engagé, faut pas l'oublier. En 6 sur 12, voilà. Mais par contre, là, on est quand même dans une décalade. Mais dans une décalade qui peut se rattraper ici. Comme ça, on garde une sortie spacieuse, agréable. Agréable en jambes, agréable en bouche, agréable en fion. Et voilà, ça reste cool quoi. Ça reste cool, nous a dit un jour Raoul quoi. Voilà. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de bâtir. Je pense que le plus important, c'est de bâtir. Cool. Faut bâtir à la cool. Donc ok, va pour ce schéma, cette tentative de schéma. On teste des choses hein, toujours. Hein. Dans cette version bien sûr Ultimate Ultra Gold Day de Prison Simulator là, de Prison Architect. Incroyable, c'est beau. Voilà. Et je crois qu'on a gardé 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Il y a une faute quelque part, il y a une faute de goût. Est-ce que la faute de goût est sur toi? Non, la faute de goût elle est bonne là ici. Ou est-ce qu'elle n'est pas bonne la faute de goût? Combien toi? 12? Oui. 6 aussi. Alors là, ça c'est quoi? C'est la magie de Noël, c'est ça dont on parle? Ou est-ce que là-haut on n'a pas du. Ça c'est du 12. 12. 12. 12. Ah, j'ai 12 partout. Hein. Et là j'ai du 11. C'est cool, le premier que j'ai fait, c'est du 11. C'est quand même magique ça. Et là c'est 12. Donc en fait mon mur il est pas là. Merde, je sais plus. Il faut que je refasse. Bon, je vais refaire toutes les salles. Ça ira plus vite. Donc là, on a bien du 6 sur 12. Il n'y a pas d'embrouille. Parfait. Il n'y a pas d'embrouille. Mais non, mais il faut arrêter de vouloir les tirer aussi bon aussi. Hein. Non, sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux, s'il vous plaît? Voilà. Du coup, toi, t'es là. Ce qui nous libère ça. Incroyable, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors du coup ici par contre on a plus que du 6. Mais c'est incroyable ça, ce destin manifeste. Ah je pourrais en fait caler une cellule débile de 12 sur 6 quoi, comme un nœud là. Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ce genre de choses? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'observer ce genre de processus? Je réfléchis au design parce qu'en fait, ouais, j'avais pensé à un truc un peu luxueux comme ça, spacieux. Ici, genre les espaces, genre parc et compagnie. Un espèce de couloir central. Mais du coup, ce couloir central n'est pas forcément nécessaire. Ou bien cet espace-là n'est pas nécessaire. Et subitement, on peut s'ouvrir sur bien d'autres choses. On peut aussi repousser la structure dans les coins en fait. Hein. Ah oui, mais non, parce que je veux des fenêtres. Je veux que les gens aient des fenêtres. Ouais, mais en même temps, les cellules sont tellement grandes que des fenêtres, on les a. Les fenêtres, on les a. Les fenêtres, on les a. Je pense que. Faut essayer un modèle. Faut essayer un modèle de 12 sur 12 ici en fait. On teste des choses. Hein.
Là en fait faudrait faire 23, faudrait plus faire 2. Ouais, on va faire 12 par 12. Hein. Ok. Du coup là on a combien là? 10. Ah, on pourrait avoir une mini cellule à 11 en fait. En repoussant tout dans les coins. Ce qui serait pas mal hein. Là, là, on serait sérieux quoi. On nous prendrait subitement au sérieux, ouais, parce que bon, une cellule légèrement plus petite que les autres, ça peut être rigolo. Et non, même pas. J'ai une cellule de 12 sur 12. Alors ça. Ça, si c'est pas le destin qui voulait pas rentrer du 12 sur 12. Hein. Incroyable. 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 Croyez-moi bien. C'était complètement fou. Kamigawa, c'est du 6 aussi. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On a de l'espace. C'est spacieux, quoi. C'est vraiment... c'est très agréable à l'œil. D'habitude, c'est léger en bouche, évidemment. Ça va 13, non, 12. 12 ma poule, voilà. Et là, on se dit que. Ah, là, on se dit qu'il y a un truc à. Il y a d'autres pages à ramasser. Calmez-vous. Oui, on peut d'ailleurs tout à fait laisser travailler les gens, tranquillement. Ça fera avancer le schmilblick. Vas-y, avancez le schmilblick. Assez riche comme ça. Et là, si on part sur voilà, un double bloc dorsalo-latéral. Ça serait le gros style. Hein. Ouais, faisons plutôt comme ça, ouais. Genre, moi je me verrais bien les faire comme ça, voilà, paf. Mes cellules 2 par 2, on est bien. Calme-toi. Hop. Et des ouvriers qui se mettent à bosser. Très bien. Par contre, si je fais ça, là, on est refermé quand même. Hein. À un moment donné. Il va falloir laisser une ouverture. J'essaye de réfléchir. C'est très compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 cellules. C'est des 12 cellules qui font du 12 sur du 6. Sur enfin demi-douzième. C'est le destin, je peux pas le modifier, c'est compliqué, vous comprenez. Je peux pas. Donc on va faire 1000 blocs. C'est des gens riches qui resteront entre gens riches et puissants, puisque ce sont des gens riches et puissants. Ok. Que les autres sont des salauds de peau, après tout. C'est pas mal. Je sais juste pas du tout comment on va rentrer dedans, mais c'est pas mal du tout. C'est même très sympa. Ça me donne envie de. Ça me donne envie d'essayer. D'essayer de faire même un bloc avec genre basse sécurité, moyenne sécu et forte sécurité. Mais on sait que c'est pas une bonne idée. Alors. Ce n'est pas une bonne idée, certes. Mais que fait-on? Là, si je veux garder quelque chose de spacieux, il faut que je garde du 3 en gros.
3, voire même 4. Hein, voilà. Regarde, 4, on est un peu spacieux. On a combien? 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 c'est ça. 4 c'est ça, quoi. On commence à démarrer là. Si je veux commencer à mettre une structure, c'est à partir de là. Très bien. Très bien, très bien. C'est intéressant. Parce qu'on veut dire, ce serait très intéressant de faire un grand bloc central et après de tailler dedans comme un nœud pour voir ce qu'on peut sortir. 1, 2, 3, 4. Ok, là. 1, 2, 3, 4 qui sont gardés. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon, on est bon partout. Ouais, donc là on a quand même la place de faire tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, si on veut caler notre chapelle, notre bazar, notre cantine, nos bidules et nos trucs, on est quand même relativement cool. Ce qui moi me fait penser à deux choses. On pourrait utiliser ces deux cellules là pour en fait introduire les marchandises qui nous conviennent. Je suis parfait. Hein. Là, je suis parfait pile pour faire les dépôts. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est, on dirait que c'est fait exprès. Hein. C'est un peu la question. Parce que finalement, mur des cons, certes oui, mais si j'ai envie d'avoir la même pointe que là-haut. Que je fasse un truc comme ça. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresserait là, en gros, c'est de faire un département pour tout ce qui est genre civil, etc. Donc là-haut, comme vous avez compris, bien sûr, comme d'habitude, on va caler les bureaux. La sécurité, les premiers dépôts de livraison et compagnie. Et l'énergie. Et l'énergie. Il y a beaucoup de salles à mettre. Et il faut pas que je me gourre, faut pas que j'en oublie une, faut pas que je me plante, quoi. Monsieur le directeur, oui. Oui, voilà, c'est ça. Fais des choses comme ça, là. Arrête tes conneries, là. Vas-y, allez, débloque-moi tout ça, là, casse-toi. Ton bureau, quand tes clodos, ils auront décidé de le faire. Là, ils ont décidé de faire un mur. C'est des trumpistes. C'est le mur, c'est ce qu'il y a de plus important à faire, visiblement pour eux. C'est pas moi qui décide, hein. C'est eux, visiblement. C'est intéressant. Parce que là, on pourrait faire une jolie tranchée là-dedans. En fait, je sais pas surtout si je sauvegarde. Une cellule en gros, si je garde une cellule, ou si je transforme les deux pour des bâtiments administratifs. Ce qui est sûr, c'est que dans notre construction, donc c'est parti, on va se faire un briquette ici. C'est une belle briquette, ma gueule. Hein. Oh que oui. Ce qui est sûr, c'est déjà faut mettre une porte. On va mettre une porte du random. Allez-y, amusez-vous bien. C'est une porte du random. Éclatez-vous. Après le mur, c'est les chemins. D'accord, ça y est, il va nous faire un bureau. Incroyable, on va avoir le bureau du boss. C'est fou. C'est bon, on va laisser monter les bureaux tranquillement. On peut se faire une salle énergie, hein, une energizer salle. D'ailleurs, ça peut se faire. C'est aussi dans les salles des clones. C'est si je veux faire une salle de rangement. Ce qu'ils appellent une salle de rangement. Non, pas d'arrangement. Est-ce qu'on peut la rotate? Parfait. Ah ouais, j'aurais pu la glisser comme ça, elle serait parfaite là.
intéressant. Je la mets. C'est à juger. C'est à juger, c'est à jugeable. Par contre, c'est très clair et obscur. Hein, donc, si on peut. On voit plus rien, les mecs. Donc, si vous pouvez penser à foutre une New Cut 2, histoire qu'on y voit quelque chose, qu'on y quitte un truc à ce qui se passe là. On aime bien que la lumière soit aussi. Hein. Voilà. Alors, on a un peu moins ridicule. Voilà. C'est bien, c'est bien. Je pense que ouais. Alors par contre, je sais pas si c'était vraiment utile de la coller comme ça. Si je prends de la place. On va faire ça. On va allume-moi ça. Voilà, allume-moi ce truc là. Et on va la remettre, mais on va l'avancer un peu. Ah, on pourrait même carrément l'agrandir. Je suis en train d'y penser. Je suis en train de me dire, est-ce que je mets pas directement pas deux générateurs électriques ici, un qui va régir, qui va, ouais c'est ça, qui va gérer tout le. Toute une partie du bloc et voir le bloc administratif et une autre pour le bloc, parce que là si j'en ai qu'un on est peut-être un peu short. On est peut-être un petit peu short dans ce qui se fait. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans la suite. Avec une flotte, c'est bon, on fait tout. Ça, on le sait, il n'y a pas de soucis. On est au courant de tout ça. Pourquoi c'est bloqué, elle marche, et pourquoi celle-là ne marche pas? C'est New Age, ça aussi. C'est très New Age, tout ça, si vous voulez mon avis. Donc si je veux mettre un deuxième générateur, paf, il faudrait que je le cale là. Prêt. Ok. Ouais, ouais. Ou alors je le cale là. Je peux encore en mettre un autre à côté. Non, après ça devient n'importe quoi. Arrêtons de conneries. Mettons-en un. Un béton, ce sera bien. Câbler tout ça. D'ailleurs, en parlant de câbler, ok, très bien. Ah, j'ai un pote qui est enfermé, les gars. Si vous pouviez voilà, dégager un mur ici, là, ça serait formidable. Je vous aimerais beaucoup. Ou alors pas. On le séparait complètement. Ça pourrait être le gros style aussi, j'avoue. Non, non, non. Annule ce que je viens de faire là. Arrête ça. Je voudrais juste que vous démontiez cette porte. Et je suis juste en train de me dire qu'effectivement, un petit mur soit dit là. Avec toi légèrement recentré deux cases vers la gauche. Paf paf, oh, ça serait pas mal. Hein. Alors attendez, j'ai une vision d'esthétisme. Rixme. Enfin de truc. Ah non, c'est pas centré. Non, non, c'est pas centré si je fais ça. C'est vilain. C'est vilain, vilain. C'est pas joli. C'est pas jojo. Ça me va comme ça.
Très bien. Ah, joli, on commence à t'aller. Incroyable, c'est très joli. C'est vraiment... on sent qu'il y a une volonté de faire des trucs presque beaux. Ils ont pas trop vilain quoi. Pouette, pouette. C'est incroyable. Magnifique. C'est dingue hein. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec une couche de béton. Simple mur en béton ou double mur d'enceinte? En vrai on a du pognon hein. On peut double mur d'enceinte à n'importe quel moment hein. Et puisque je sais que mes gars adorent construire des murs d'enceinte, quelque part ils font tout le boulot, on peut quand même leur faire un petit cadeau et remettre un petit mur d'enceinte par dessus. 28 800, quand t'es riche à million, qu'est-ce que c'est 28 800 finalement? N'est-ce pas tout simplement quelques dollars de plus? Donc on en arrive à peu près ce qu'on pensait. Ah oui, donc là ils construisent le central. On arriverait du côté générateur électrique. Moi ce stade, ce qui me plairait, ça serait d'isoler ces gens-là. Pour pouvoir commencer à mettre toute la partie insertion. Ah ouais, non, quoi que non. Je pourrais juste mettre mes stockages ici. Livraison et exportation. Puisqu'on peut mettre tout ce qui est bâtiment, école, etc. à l'intérieur. Ouais, parce que là on a de la place en vrai. Là, on a vraiment beaucoup de place en fait. Pour très très peu de prisonniers. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a très très peu de prisonniers. Donc il y a tout mon département de police qu'il faut que je pense à mettre. En gros au centre, hein, tout le département de la sécurité on va dire. Il faut penser à ces braves gens. Et t'es mal chef, ça m'a éclenché. Lol, super blague. Lourd la blague, lourd. Paf, ça c'est fait, ça c'est bien. Pouf. La petite dalle en pierre qui va bien. Le parquet. Oh, petit parquet très stylé. Les classicos, hein. Les classicos ont la vie dure. De la bonne chaise de bureau. Hop, de la bonne chaise de bureau. Tout le monde. Pif. Paf. Pouf. Le bureau lui-même. On n'a pas le bureau lui-même. Faut que j'aille le chercher. Le bubu, le roro. Mais non, le bureau tout court, les mecs. Merci. Vous êtes fort aimable. Et 2. Et 3. C'est trop. J'ai beaucoup de bourrin. Ouais, je suis un dingue alors. Et ok, et le classeur. Et le classeur. Ouais. Et poète. À ça, j'ajouterai mon premier bureau. Oh. Bravo monsieur, vous avez un bureau. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous finisse. Parce que, au hasard, je crois que mes gars bossent encore sur le bloc principal. Ils y sont encore un petit peu là. Ils sont un peu concernés, ils sont un petit peu occupés. Hein. Mais ça va se terminer à un moment donné. Faut pas patienter, c'est comme tout. Alors, mur de béton gris, ça serait vilain. Ce serait vilain, ce serait taquin. Est-ce que je ne rivalise pas en face avec la même taille de bâtiment? Je fais du combien pour les gens? 9 sur 20. Ok. Sur
machin, on dirait ma moyenne générale. Non, lol, la blague. Calmez-vous, c'est pas vrai. Arrêtez, vous êtes des gens très méchants. Je le vois en vous. Donc, ouais, je sais pas si on va poser des lumières tout de suite en fait. Attendez. Si je mets ce bâtiment là. En fait, je suis embêté parce que du coup, mon administration n'est pas séparée du reste des prisonniers. Ce qui m'embête un peu. J'aurais apprécié qu'on soit distinctement séparés de ces gens. Parce que là, si je fais la sortie ici, après, faut remonter tout là. Enfin, ça, on gagne rien, ça change rien, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Faut annuler tout ça, faut conserver. Alors attendez, on va faire quelques petits bic-macri, hein. Vous allez voir, ça va être pas mal. Je pense qu'on va partir sur une simple porte du personnel. Partir sur une simple porte du personnel pour l'instant. Séparé par une clôture. Ouais, la clôture c'est pas très joli. Hein. Clôture c'est pas dingue. Ceci dit, ouais, non, on va mettre un mur en béton. Mur en béton. Séparé par un superbe mur de béton. Mur de béton merveilleux, magnifique, fantastique même, certains disent même. Et là, dalle de béton, dalle de béton. Et mon bâtiment. Lecture les gars, allez-y. Hein. Et mon bâtiment de 9 sur 20. Ok, je vais joindre donc une porte ici. Ok, ça me va pour l'instant, ça me convient. Et ça va faire une heure qu'on est déjà sur cette fin de prison et début de prison. Il y avait moyen, je crois, d'augmenter. Contrôle plus clic gauche pour donner la priorité. Allez, les enfants, faut y aller. Tout ça là, c'est prioritaire. Allez. Parce que je sais que ce que je vous ai donné, c'est long. Vous avez du boulot. Ça fait beaucoup de boulot. Il y a moi ces camtars qui n'en finissent plus. Très bien. Pourquoi j'ai demandé l'urgence sur celui-là et il me fait le parquet sur celui-là? Pourquoi pas, me direz-vous, mais non. Non mais juste ce bureau-là qui... La dissidence! La dissidence de ces ouvriers. Incroyable quoi. Ah c'est vrai que je continue à gagner de l'argent. Ah bah attendez. Attendez. On va les augmenter à 12. Évidemment. Voilà, maintenant on a 12 gars, on gagne moins de pognon, certes, mais bon. Je pense qu'il fallait passer par là. Il fallait en passer par là. C'était nécessaire. Il a toujours pas son bureau, l'autre. Hein. Ils ont toujours pas posé un classeur. Vous allez me le poser, ce classeur de ces morts, ou ça se passe comment? Ils ne finissent rien. Ils entament tout, ils ne finissent rien. C'est genre, ils ont décidé, c'est officiel, quoi.
Ils sont pas contents, pas contents. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on leur colle? J'ai envie de permettre une petite entrée-sortie du personnel. Ici. Ouah, c'est pas utile tout de suite. C'est pas vraiment dans notre intérêt immédiat en fait. Enfin, ici ils ont décidé de pas le... D'accord. C'est prévu. C'est juste que c'est prévu. Ah voilà, ça y est, mon directeur peut se mettre à faire de la recherche. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah d'ailleurs, tout de suite, designer un deuxième bureau. Ah oui, on n'a pas d'export. C'est vrai que, entre autres, si on veut rentrer un petit peu d'argent en excluant nos déchets. 1, 2, 3, paf. 1, 2, 3, paf, paf. Tic, tic, tic. Vas-y, une zone d'export. C'est pas mal. C'est dégueulasse, mais c'est pas mal. C'est pas malement dégueulasse, quoi. Du coup, c'est pas mal. Dire ça comme ça. Ce qui nous fait penser d'ailleurs en zone d'export, déchetterie. On pourrait presque garder la déchetterie dehors. Non, ouais, on va tout rentrer. Hein. On va tout rentrer. En termes de pièces, on a combien? On a un entrepôt à mettre. On a du combien là-dessus? On a du 18. Il va falloir couper en 4 pièces, je crois. 4 pièces séparées par 3 murs, donc il nous en reste 15. On a des pièces de même pas 5. On va être obligé de faire du 4, c'est ça? Bon, toi, je vais te faire là parce que déjà j'ai pas envie d'avoir des loupiottes ici. Tiens, bah tiens, paf! Stockage de loupiottes immédiat. Ensuite, ça c'est l'entrepôt. Il va nous falloir une déchetterie et une livraison. Raison. Que ce soit conséquent aussi. Exportation. Ça, si je te mets à 5, on gâche tout. On gâche tout. C'est dommage. Moi j'ai envie d'y croire à 5. Moi à 5 j'ai envie d'y croire. Parce que il existe des possibilités infinies, cosmiques, réminiscentes, qui peuvent nous permettre de créer des espaces. Oh, de grands espaces. Ça serait novateur. Certains diraient un peu rebelle. Parce que là j'ai une. 5. Attention, une faille dans le système défensif a été détectée. Elle a été détectée volontairement. Parce que franchement, voilà, c'est une idée. C'est une idée. Comme sur ma prison précédente, ça me plaît pas mal l'idée de... Ouais, mais vous me direz ouais, en fait. Je vous connais, vous êtes le genre de gens à dire ouais. Alors que vous pourriez tout à fait dire oui. Finalement. Ça me paraît pas mal, en fait. Faut que je mette un poste de contrôle par contre ici. Hein. Faut que ça passe genre au milieu de la salle des gardes quoi. Au beau milieu de la salle des gardes. Grosse ambiance bien lourde, comme il faut. Nice. Ça me paraît parfait. Ça a l'air d'être un petit peu le bazar. Ah ouais, c'est un petit peu. Quand les mecs ils commencent à poser à côté. Ah non, il est pas encore à côté. Ça va. Eh, on va vendre du bois, hein.
On va en vendre un paquet, hein. On va vendre beaucoup de bois. Vous voulez pas poser une loupiote ou deux, les gars? Au moins faire genre. Ma dernière salle, c'était quoi? D'ailleurs, je sais plus. Je posais un entrepôt. Ah oui, c'était déchetterie. Ah, déchetterie qui fera du 4. C'est pas très équilibré. Moi, j'ai calculé mon coût. Ah ouais. Ou alors on dit que c'est la seule faille cosmique phénoménale de notre structure. C'est à dire que pareil, pour avoir du 5 sur 5, je viens la coller là. Je pense que vous devez vous dire que je me pose beaucoup de questions juste pour rien et pour faire chier le monde, quoi. C'est ce que je me dis. Et je me dis que vous êtes des gens médisants. Après, avec très peu d'ouvriers, est-ce qu'on a besoin d'une aussi grosse déchetterie? C'est une question. C'est un peu une question à 5000 balles. Si on la réduit à là, que deux cases de déchetterie, oh, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Il aurait fallu garder 3 idéalement. Et il rentrerait par la déchetterie, les mecs. Je trouve pas ça fou. Par contre, ce qui est faisable. Oh ouais. Alors attendez. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer. Moi, ce que je vois. Parce que je vois des choses. Oui, messieurs, je vois des choses. On va grandir ici. Simple mur de briques. Alors attendez, j'ai juste besoin d'être sûr. Est-ce qu'on a un truc genre marche très rapide? Rapide. Que du rapide, ok. Ah, c'est le bruit de la bouche. C'est le bruit de la bouche. Elle dit qu'elle est plutôt contente de sa situation. Quoi? Faut arrêter de build un wall. Mais non. Du des conneries. Elle est pas sérieuse. Elle a l'esprit de la déconnade. Donc là c'est très intéressant. C'est très intéressant. On peut faire ce petit couloir absolument abusif. Qui a d'ailleurs pas grande utilité de l'encorner comme ça sur le côté. Et vous devez trouver ça particulièrement stupide et donc fort intéressant. Ah, j'aime votre pouvoir de suggestion. Alors par contre on va le garder assez large. Ce qui peut être sympatoche. Alors déjà on va refaire le double trottoir. Ah oui, on peut pas là, sur les rebords. Bah, il y aura pas de double trottoir, allez vous faire voir. Enfin, le trottoir simple, classico. Voilà, on a un gros truc.
On a un gros truc qu'on peut paver. Pour accéder aux différents lieux. Moi je suis plutôt d'accord. Et du coup on est sur un concept de porte réservée au personnel exclusivement. Voilà. Et voilà. Je pense que c'est une bonne façon de concevoir le projet. On a une porte actuellement, je crois. Allez, amusez-vous bien. Allez, galopez. Galopez les galopins. Wow! Le stuff qui vient de pop! Je t'ai vu, je trichais. Ne me mange jamais. Je t'ai vu. Pas mal, on est pas mal. Dans le personnel. Ah, le chef. Bienvenue chef. Welcome on board. Et le contremaître. Qui attend également son bureau. Ça va arriver, ça va arriver. Fiston, calme-toi. Bureau. Bureau. 2, 3. Bravo, contremaître. Vous avez un bureau. Ce qui fait que... ça recherche encore du monde, du psychiatre, du machin. On part sur paf, paf, paf. Débloquez-moi tout ça là. Dépêchez-vous. Et travaillez un peu. Comme ça, quand on ouvrira nos portes au monde entier, parce qu'on va ouvrir nos portes au monde entier, voilà, on sera prêt. On sera prêt à accueillir tout le monde. C'est bon. Et à surprendre le monde. Par d'autres conceptions modernes du de la modernité moderniste. Le goudron. Hein. Wow, je trouve pas ça dingue. Hein. C'est pas très sexe. Hein. C'est pas dingue. J'aime pas. Je trouve pas ça. Je suis pas un mec convaincu, quoi. Espace de livraison, beaucoup d'entrepôts. Ah, des petits murs quand même de séparation. En pièce, la déchetterie. Agrandis-toi un petit peu. Voilà, très bien. Ouais, d'ailleurs, non, en fait, on aurait pu construire la déchetterie complètement dehors, en fait. Oh, ouais, ça aurait complètement pu se faire. Ce qui nous ferait du coup un bâtiment beaucoup plus petit. Non, vous avez remarqué que je savais pas ce que je voulais. C'est intéressant que vous le notiez. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous savez que je m'en rends compte énormément. Et d'ailleurs, je vous remercie bien entendu de ne jamais vous en servir de votre âme. Ça compte énormément aussi. Vous savez pas à quel point. Livraison, entrepôt clairement, ouais, au fond, l'exportation, ouais, on s'en fout, après vous direz, mais on fait du détail là. L'export, 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 si je
toi de t'agrandir là. 7. Est-ce que la livraison... C'est beau. C'est beau ce qu'on fait. C'est beau, c'est très très beau. Et par contre ça nous oblige à redémolir des murs. Et des portes. Et tout et tout. Ouais. Vous pouvez démonter. Démonter tout, casser la baraque, allez-y. C'est très joli. Ok. Mes petites portes, paf, mes 8 portes de personnel. J'en ai trop. Et... Ah c'est chiant. C'est rigolo, cette porte du coup est chiante. Très marrant ça. On va légèrement décaler toutes les lumières, ce sera rigolo. Ce sera rigolo, ce sera le bazar. Ça paraît très bien. Pas mal. Ah, mes amis les détecteurs, le retour. Le détecteur, le retour. Mes amis les détecteurs, juste avant d'entrer, s'il vous plaît. Double porte du personnel. Très bien. Ce qui veut dire que je dois aller chercher mon ami le courant et le tirer un peu par ici. Ce qui nous amène. Ça bip déjà. Ça n'a pas commencé, ça bip déjà. Normalement, il n'y a que vous qui passez par là. C'est à partir de là que je vais devoir renforcer. Ouais. Ouais. Je le vois bien comme ça. Écoutez, mes amis, je sens que vous avez des loupiottes sur les bras. Alors allez-y, posez-en quelques-unes. C'est la maison qui régale. Ouais, théoriquement, je suis censé être là. Mais bon, ça ferait trop moche. C'est difficile d'arrêter ces épisodes particulièrement nuls. 1h30. Ok, mais il faut que j'arrête cet épisode. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Code d'Habitude Gaming. De toute façon, il reste plus personne. Des bisous, à la prochaine. Ciao.